Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je réacte à vos clips Valorant. Le concept est simple, vous allez sur mon Discord, vous m'envoyez vos meilleurs clips, que ce soit des clips marrants ou des clips où vous êtes ultra chaud au jeu. Vous me les envoyez dans l'onglet clip concept et moi du coup j'y réacte en vidéo. Et avant que la vidéo commence, je voulais vous dire un grand merci parce qu'on a atteint les 10 000 abonnés. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que ça fait même pas 3 mois que je suis sur YouTube, donc 10 000 abonnés c'est énorme, j'arrive même pas à me rendre compte. Enfin bref, c'est parti avec le premier clip. Vas-y, faut prier, mais Anthony. Oh oui, Anthony. Anthony. Allez, ok, bien joué. J'ai du cas. Ça, c'est grâce à moi. C'est balle, les gars. Pardon. Ça me termine, le Sova qui dit ça, c'est grâce à moi. Regardez son utilité dans la round. Ok, monte-nous le ace. Ça, c'est grâce à moi. Balle, les gars. Ok, ça rate la Reyna. Ok, petit bunny hop avec la Néo. L'ult, pourquoi l'ult? Non, l'ult, c'est vraiment pour flex, par contre. Oh, tout ça pour ça. Ok, bien joué. Bon, ça va, ça finit sur un cut. Frère, le Sova, il veut pas lâcher l'affaire. Comment ça, c'est grâce à toi, Sova? Écoutez le Sova, hein. Ça, c'est grâce à moi. Sova, je suis désolé de te le dire si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas grâce à toi. Voici ta seule action durant cette round. Ok, prochain clip. Il reste 10 secondes pour planter le spike. Je sais pas comment il va faire, le frérot. Ok, 5 secondes. Non! Non! Oh, ah, ouais, tu m'as fait paniquer, frère. Je crois que tu l'as. Quoi? Quoi? Mais frérot, ton gameplay, comment il est angoissant? C'est que... Non, eh, à la place de tes teammates, frère, je t'aurais insulté 5 fois, là. Ouais, eh, l'arrêt de la diffuse, c'est tellement risqué. Ok, prochain clip. Regardons ça. Oh, l'ult, carrément. Non! Héros, c'est le plus beau ace que j'ai vu de toute ma vie. Il a ace en 2 secondes. Non, c'est incroyable. Ils sont tous alignés en plus. Ils sont tous alignés. Non, le... non, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ok, prochain clip avec Brimstone. Oh oui. Non. Non, mais c'est quoi votre délire à perdre des ace en 1 seconde là? Par contre, les gars, je viens de capter les 3 clips, c'est le même mec. Là, le clip qu'on a vu où il nous fait paniquer, le clip du Ace le plus magnifique, et le clip où il est en train de faire 4 kills instant avec Brimstone, la virgule, t'es en train de carry la vidéo, je te le dis. Purée, incroyable, on a un nouveau clip de la virgule, regardons ça. En plus, là, je vois ça joue Brimstone, à tout moment, ça remet un ult de fou. Ok, les smokes qui s'apprêtent à mettre, elles sont un peu bizarres, on dirait. C'est quoi ces smokes, là? Non. Non! Non, le ace, le ace. Non. 1, 2, 3, 4. Mais le... mais c'est quoi ce... c'est fils de mec? Yes. C'est quoi ce Brimstone de fou, là? T'as pas honte, même lui, il se perd dans ses smokes. Le ace. Mais non. Mais gros. Mais le contenu qu'il nous propose. Ok, prochain clip, montre-nous ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh frère, c'est la mode des gens qui font ça en ce moment. Les gens qui se mettent que à une balle pour mettre des one tap ultra ultra stylés là. J'espère que tu l'arrêtes. Allez. Ok, prochain clip, apparemment il est gold 1. Il est gold 1. Pardon, mais l'accent québécois, ça me tue de rire. Par contre, il est où le dernier kill là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûr, elle a clutch, mais t'as pas voulu nous montrer, t'as pas assumé. Ok, prochain clip avec Sage. Déjà, c'est une Sage, j'aime forcément le clip. Ok, incroyable. Il a one tap la race dans les airs, là, du tir au pigeon. Incroyable. Ah, comment c'est trop chiant, le truc de deadlock, là. Incroyable. Et je dis pas ça parce que t'es un main Sage et que j'adore tous les main Sage. Prochain clip avec Reyna. Ok, petit one tap. Y'en a deux, Hugo, y'en a deux. Ok, j'aime bien son crosshair. Non. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez un crosshair en point ou un crosshair en croix. La gueule. Oula, oula, ça s'insulte. Ah, il y a deux ults qui 1v1 là. Ok. Là, normalement, ce qui se passe, c'est qu'il meurt. Dans tous les cas, il meurt. À part si la deadlock, elle rate une dinguerie. Oh là là. Je vous jure, je rate ce qu'elle vient de rater, la deadlock. Je désinstalle le jeu, je vends mon PC, je vends tout mon setup. Non, oh là là. Ah, c'est stylé, il a le jeu en japonais. Frère, on dirait un animé. Je crois que je vais mettre mon jeu en japonais, hein. Mais what the fuck, on dirait trop un animé, c'est un truc de fou. Écoutez bien, on dirait la voix de Erwin dans Attack on Titan, écoutez bien.
Je vous jure, ce soir, je mets mon jeu en japonais. Ok, prochain clip avec Jet, sur Breeze. Ouah, je t'aurais insulté. Même moi, j'ai envie de t'insulter, là. Je... Ok, pas mal. Tu t'es bien rattrapé. Heureusement, tu t'es rattrapé. 48 shoots, et puis après, tu fais une dinguerie. Exactement. Mais react à ma place, en fait. C'est exactement ce que je me suis dit. Comment tu peux rater ça? Comment tu rates ça, là? Ouah, je t'aurais insulté. Juste après, tu mets ça. Ça n'a aucun sens. Attends. Après moi les gars, j'ai une théorie, je sais pas si vous allez être d'accord. J'ai l'impression que les gens, quand ils sont de dos, quand ils sont ultra faciles à tuer, c'est là où ils sont le plus difficiles à tuer. Quand je suis en 1v1 avec un mec qui me regarde, qui a une vandale, le mec c'est un danger, là je vais le one tap. Par contre quand il est de dos, il est inoffensif, je vais rater toutes mes balles, je sais même pas comment expliquer ça en fait. Donc en vrai, je comprends ce clip. En vrai je comprends. Ok, petit clip avec Jet. Attends, ça c'est de la Jet qui est entrée sur site là. Oh la Jet de rêve. On veut tous une Jet comme ça dans nos ranked. Oh là là, elle est allée le chercher sur l'autre side carrément. Incroyable la Jet qu'on veut tous finalement. Ok, toujours la même game du coup. Oh frère, abuse pas non plus, j'ai contrôlé un spread de... Je sais pas c'est qui. Derrière la pas personne avec toi mais son rire il est trop marrant. Non. Vas-y 1v2 tu le fais. Ouh! Ouais. Ouah, t'es stun de partout! Ouais. Ok! Ouais! Vas-y! Allez, tu le fais! On croit en toi! Non, tu l'as vu à droite! Là, t'es à droite! Oh, le screamer, que c'était la néon là! Bien joué! Bien joué! Vraiment, j'ai remarqué un truc dans vos clips, c'est que vous êtes tout le temps en train de jouer avec vos potes. Et en vrai, c'est incroyable! Moi, depuis que je joue à Valorant, donc c'est-à-dire depuis 2020, j'ai fait que de la solo queue toute ma vie. Et en vrai, là, plus je regarde vos clips où vous êtes en 5-stack et tout, plus je me dis, mais en vrai, ça doit être incroyable de jouer avec des potes. Mais bon, après, encore faut-il avoir des potes. Prochain clip! Déjà, prochain clip, est-ce qu'on peut parler du tapis de souris du frérot là? C'est quoi cet hexagone là? Attends, mais t'as le jeu sur des enceintes? Je vais péter un pont. Mais comment tu sais s'il y a un ennemi à droite ou à gauche là? Il y a des gens, ils ont des setups, je comprends pas. Hein. Pourquoi tu m'envoies ça en plus? T'as perdu là, c'est quoi? Vraiment, il est Iron 2, je vous jure, rien que s'il achetait des écouteurs déjà, je pense qu'il passerait gold. Bon les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, merci beaucoup pour les 10 000 abonnés, ça me touche de ouf. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent sur la chaîne YouTube, ceux qui mettent des pouces bleus, ceux qui viennent sur les lives YouTube le soir. Comme vous le savez, je me suis fait ban Twitch, du coup, voir que les gens me donnent toujours de la force, même après Twitch, genre maintenant que je suis sur YouTube, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci beaucoup les gars. Et encore une fois, si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, bah vous avez juste à venir dans le Discord, il est dans la description du Discord. En tout cas, c'était Ryakuza, merci d'avoir regardé la vidéo, bisous.